Amis gamers et gameuses, rebonjour, c'est à nouveau Romain du Gaming Show. On poursuit avec Obduction que j'ai lancé ce matin pour une petite découverte. Ça m'a bien plu comme petit jeu, c'est joli, ça amène de la réflexion. Donc bon, on a joué une petite heure ce matin, je crois. J'ai un peu de temps devant moi, donc on va poursuivre. Ça a l'air sympa, je vois pas trop encore le but du jeu. Je pense qu'il faut qu'on arrive à s'extirper de ce village imaginaire, ce dôme, je sais pas trop. Donc on va poursuivre ça pour regarder un petit peu de quoi il s'agit. Vous ne me voyez pas, c'est normal, hein. J'ai un souci avec mon trépied, j'ai plus de batterie de mon trépied en fait. Donc vous verrez pas ma sale tronche. C'est pas plus mal. Alors, hop, 2 minutes, je cherche un truc. Bon, on en était où? Donc on a réussi à trouver le générateur de Cécile, on a remis le courant un petit peu partout et il nous a demandé où est la manette? Où est la manette? Elle est là, hop là. Il nous a demandé de d'enlever le dôme en désactivant ce bouclier là, le truc rouge là, le faisceau rouge. Hop là. Parce que j'ai le PC portable à côté qui fait des siennes. Hop. Bon, du coup, voilà, ce faisceau rouge, il faut qu'on arrive à le désactiver. Voilà. Alors. Est-ce que c'est lui qui génère le bord? Ah, c'est une planète là où j'ai même pas fait gaffe tout à l'heure, dis donc. On dirait une planète Terre. C'est plutôt joli. Donc on a remis le courant. On a remis le courant, donc on a dû débloquer des trucs. J'étais là. Et bah ça fait 36 fois que j'appuie là-dessus. Normalement, il va peut-être marcher celui-là. Alors. Eh hey. Ah bah on va découvrir. Un petit truc rouge qui est là. Faut pas que je me casse la gueule, ce serait con. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux prendre ça? Projecteur de volume solide. Je sais pas trop quoi. Est-ce que je peux tourner les pages ou pas? D'accord. Remarque, le son est généré séparément. Est-ce que je peux le garder avec moi ça? J'ai pas un inventaire, quelque chose, si je fais ça là? Non. Et ça? Machine d'échange de graines ambassadrice. Sur des choses finales. Les graines sont changées naturellement. Demande de projection lumière. Quelle est notre maison? Je crois avoir source d'eau membrane. Donc c'est le maire qui a demandé à avoir ce dôme, ce bouclier. Interagir avec ça. C'est quoi ça, bouton ça, non? Je peux pas interagir non plus. D'accord, un petit papier là. Désactivateur. Merci pour désactiver tout en utilisant une technologie Morin. L'activation intervient lorsque le faisceau nuage bleu se trouve à une cinquantaine de centimètres d'un élément d'appareil. Ah, les éléments s'effondrent physiquement. Sans danger. On n'a pas été. Ok. Est-ce que je peux faire le tour là quelque part? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Rien à dire, c'est plutôt sympa. J'ai le code de Farley pour assurer la sécurité de la crypte. Je m'adresse à l'envers, on devrait faire l'affaire. Ouais, bon, c'est pas très malin, on adresse à l'envers quand même.
Ah, salut toi. Why are you so nervous? This is just a pit. Okay, okay, now what? Okay, that's enough. Caroline, I swear, you are a natural. Where did you get these anyway? Are the Mustang just giving you stuff now? I mean, generously. Not gonna look a gift horse in the mouth. Ouais. Bon. C'est ça l'enjeu. Ah ouais, je voyais pas du tout ça comme ça. Ok. Et donc, comment ça marche? Est-ce que je suis censé déjà prendre cet enjeu? Je sais pas. C'est le même truc, j'ai l'impression, qui fait le rayon bleu et là qui attend. Je comprends le. Non, j'ai pas l'impression. Activé à la base. Bon, ok. Est-ce qu'il faut que je descende là? Non, je peux sauter. Je peux pas sauter. Non, je peux pas sauter. Il est sur les rails ou c'est moi? Ah ouais, j'ai l'impression. Bon, on va descendre. C'est assez perturbant de ne pas pouvoir sauter avec le personnage. Allez. J'ai le truc d'aiguillage, réfléchissons bien. Je dois pouvoir piloter ce truc là.
comprends pas. Le rayon bleu, d'accord. Ça marche. Alors. C'est aller par contre tout droit ou... D'accord que je dois buter faisceau rouge. De ce petit paysage sympathique. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, petit bonhomme? Comme vous. Ah bon? Excusez-moi, je tousse pas mal. On va parler de larves, on parle de Farley. Ils sont sous l'arbre. Au cœur et tout reconnecté. Mmh.
câble côté d'une grosse batterie d'abord. Ce n'est pas déjà fait, vous voyez, le brancher pour moi. De sa grosse batterie. Elle où sa grosse batterie? Attention que tu vas m'être utile encore un peu. Bon. On va aller voir l'arbre. Enfin, il a parlé de Farley. Farley, je crois que c'est la grande maison au début. Si ma mémoire est bonne. Est-ce que l'électricité permet d'ouvrir la porte? Parce que tout à l'heure, les deux là étaient verrouillés. On va essayer. Allez. Et ben, forcément. Et celle-là. Non plus. Ça aurait été beaucoup trop simple, ces conneries. Alors. Alors, on ne peut pas pénétrer, mais il y a des rails là-haut. Là, je ne peux rien faire. On est bien d'accord qu'avec le faisceau bleu, j'ai pu niquer le faisceau rouge. Donc si je tire le faisceau bleu là-dedans, non. Ça fasse quelque chose aussi. Passé par derrière, là par là, je crois derrière, il y avait des pierres rouges. Je vais essayer, mais avant je vais aller voir le Farley parce qu'il m'a dit de. Il m'a parlé de Farley. Farley. Là pour rentrer dans cette maison. Est-ce que je peux faire le tour maintenant que... Maintenant qu'il n'y a plus le dôme. On va essayer ça les amis.
passer quoi? Je suis où là? J'arrive carrément de l'autre côté, en hauteur en plus. D'accord. Alors là, c'est très étrange. Pourquoi ça fait ça? S'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, on arrive. Est-ce que ça peut contrôler la porte? Bien sûr que non. Ça aurait été trop simple. Ça aurait été trop simple, c'est juste encore pour ce putain d'aiguillage. Sauf que j'ai laissé mon truc je ne sais où. Eh bah forcément, il faut qu'il y ait un mec. Je vais devoir me re-téléporter, je crois. J'ai pas trop de solutions. Ah non, je peux pas descendre. C'est par où que je suis venu moi. Ah non, je me suis téléporté par en bas. Alors on va repartir par là. Hop. Là j'ai pas de solution de... J'arrive, je sais pas où. Eh bah si, c'est bon. Pierre tombale. Ok. Bon bah ok. On va chercher un petit peu ce qu'on doit faire, hein, parce que j'ai pas trop compris le message de Cécile. J'avais un papier tout à l'heure pour les Farley, je sais pas si vous vous souvenez, il fallait rentrer l'adresse à l'envers. Mais je me souviens plus ce qui était écrit, donc à l'envers. Ouf. Attendez voir ça.
Bon, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Ça me sert pas à grand chose. Je crois que c'était ça. Non, c'était pas ça. Merci de modifier le code de Farley pour assurer la sécurité de la crypte. Son adresse à l'envers. Ouais, sauf que l'adresse à l'envers, je rentre ça où, moi? Son adresse à l'envers. Ça, ça devait me servir à quelque chose quand même, je suis pas sorti pour rien. C'est collé à gauche, donc je vais à droite. Parfait. J'ai pas bien compris quoi. C'est rouge, ça se dégomme ça. Ah, c'est que je suis en marche arrière. Là, si je viens là, est-ce que je peux aller là-dedans, réactionner ça, passer par là. Là, je m'arrête, je dégomme ça. Ok, bah je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. Donc là, au niveau du
je suis bien. Ok. Et après, j'ai dit qu'il fallait que je reparte par là. Donc, je suis bien aussi. D'accord. Je vais à droite. Paf. Après, faut que je reparte par là. Donc, je rechange l'aiguillage. Idem, faut que je sois collé à gauche pour aller à droite. Parce que vous savez pas comment fonctionne un aiguillage, hein, c'est pas compliqué. Hein. Si ma lamelle ici, là, elle est collée sur le rail de gauche, ça veut dire que mon train va aller à droite. Vice versa, si ma lamelle ici était collée au rail, mon train aurait été à gauche. Là, vous voyez qu'elle est pas collée. Par contre, celle-ci est collée. Donc elle est collée à gauche, ce qui fait que mon train va aller à droite. J'espère que j'ai été clair. Toc. Et là, ma lamelle est collée à gauche, donc mon train va aller à droite. C'est parfait. Curieux. Curiosité est un vilain défaut. Mais c'est pas grave. On va aller voir. Hop là, continue de courir. Tout ça pour ça. Ah non. Open. Qu'est-ce qui se passe?
carcasse d'avion. Je peux rien récupérer là-dedans? The Alitopia. Je peux pas le récupérer ça. Alors je sais pas où je suis arrivé. Oh c'est joli non? C'est très 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 joli. C'est quoi ça? Hop, petite photo. Que ça représentait la position des maisons du petit village où je me trouve, j'ai l'impression. Alors. J'ai eu de champignons violets, j'ai eu de fruits de marais, sirop simple, shine blanc, c'est bien. Ok. Ah, je m'en fous un peu de terre 7 en fait là. Ça c'est un bouton ça. Ok, c'est cool. Hey! C'est plutôt pas mal. C'est bien trouvé, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant, mais petite musique, petite ampoule. Je peux pas faire grand chose. Peut-être qu'après j'aurai des cocktails à servir, il y a peut-être une énigme comme ça. Et ça, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est... Merde. Que c'est le village, en fait, ici, là. Par contre, les deux gros points noirs... Je vois pas ce que ça peut être. C'est assez énigmatique, hein, comme jeu, quand même. Hein. Ah, dommage, la musique était sympa. Bon, c'est pas grave, on va partir sur notre petite mission. Donc là, j'arrive encore à un aiguillage. Si je vais ici... Ah, est-ce que je peux me téléporter avec mon train ? Je viens d'avoir une idée les amis, on va essayer de se téléporter avec le train. De toute façon je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Je peux pas dire que c'est l'idée du siècle mais... Aiguillage, je suis collé à droite donc je vais à gauche, parfait.
ces pierres là peut-être que je peux les avoir. C'est pas facile d'accès quand même. C'est sympa, c'est beau. Essayer de passer par là, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? J'arrive là. D'accord. J'arrive là, mais à l'envers en fait. Ça me donne pas grand chose à tirer là-dedans. Des masses cette connerie, non? Ça m'aurait étonné. Bon, du coup, j'ai l'impression que je suis comme bloqué, hein. La carte, peut-être qu'il y aura quelque chose. Parce que là, tac. Coller à gauche, jamais à droite. Parfait. Thank you.
est-ce qu'il va me donner un coup de main lui si je retourne? Allez Cécile. Générateur, si t'as que ça, je vais te brancher ta putain de batterie. Si tu peux me filer un coup de main après, ça m'arrangerait. Je sais pas où ça mène le chemin à gauche. Ceci étant, c'est un cadre assez idyllique quand même. Ça va être sympa de vivre ici. Ça, j'ai l'impression. Sa batterie. On voit que je suis aussi utile qu'un furoncle, d'après ce qu'il dit. Je vais le laisser dans sa merde. Et c'est pas derrière la maison de Farley, ça? Putain, c'est quoi ça? Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé un truc, les amis. C'était quoi déjà le code? Donc, oui, je disais. Putain, c'était quoi le code de la boîte aux lettres déjà? Donc ça doit être le dernier qu'il faut saisir à l'envers. Je crois que c'était 1436. 1436. À l'envers, 3663. Hop là. 6. 3. 14. 4. 1. Putain, je me suis planté ou quoi? Il me semblait que c'était ça pourtant. Écoute, là je ne sais pas. Je sais pas. Bon, là, j'y suis allé tout à l'heure, là-bas il n'y a rien, j'ai toujours pas d'accès. Peut-être débloquer la porte de devant, pourtant ça s'allumait en vert, j'ai l'impression que c'était bon code mais... Bon, on va retourner voir la petite maison de Farley ou je sais pas quoi, tiens. On va voir ce que ça donne de devant. Manège. Allez, quand. Un truc tout pourrave.
toi, hein, petit train, hein, pas besoin de toi. T'es bien où t'es. Je vais retourner voir la maison des autres là. Porte est ouverte. Mystère et boule de gomme. 14:36, c'était bien ça. 63:41. Putain, qu'est-ce qui marche pas? Ça marche pas. Je sais pas, je comprends pas. Je me suis pas trompé de code pourtant. C'est le 14:36, c'était bien écrit de le rentrer à l'envers. Je sais pas. Bon, on verra ça plus tard, les amis. Bon, on a découvert quand même encore des nouvelles petites choses. Je vais vous laisser, je vais reprendre le boulot. Et puis, bah écoutez, merci encore à tous de me suivre. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton qui va bien. Ça fait toujours plaisir, un peu d'encouragement. Donc, même si c'est pas le genre de jeu que vous affectionnez, c'est pas grave. On joue à tout. Hein. Donc, vous inquiétez pas, il y a un moment, on jouera bien à des jeux plus sympas pour vous. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à plus tard. Et puis, bah, au plaisir. Hein. Ciao, ciao.